À seulement 7 ans, le prince George doit déjà s'adapter à la couronne. Troisième en ligne dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, le frère aîné de la princesse Charlotte, qui pourrait hériter d'un autre titre de noblesse, et du prince Louis deviendra roi une fois que le règne de son père, le prince William, deuxième derrière le prince Charles, touchera à sa fin. Ainsi, certains se demandent quand le fils aîné de Kate Middleton pourrait entreprendre son premier engagement officiel seul. Pourrait-il suivre les traces du duc de Cambridge? Car, s'il sensibilise déjà son premier fils à son futur rôle, le prince William ne cesse pas de lancer dans son premier engagement officiel avant un âge adulte. D'après les informations de ce jeudi 13 août 2020 du magazine britannique Hello, le frère aîné du prince Harry avait 23 ans lorsqu'il était appelé à ses fonctions seul, au mois de juin 2005. Il avait alors été invité à rejoindre l'équipe de rugby des Lions, durant leur tournée néo-zélandaise. Un voyage de 11 jours, comme le rappellent nos confrères d'Outre-Manche, durant lequel le père de famille a également représenté Sa Majesté Elisabeth II à l'occasion d'autres événements pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, aucune règle établie par le protocole n'empêcherait le prince George de prendre un chemin différent de celui du prince William. Un apprentissage ludique quoi qu'il en soit, le petit garçon pourra bel et bien compter sur les conseils de son père. William lui apprend les choses de manière ludique. Il explique les choses comme s'il lisait un livre de contes pour enfants. C'est amusant pour George, a raconté une source proche de Kate Middleton et du prince William au tabloïd The Sun en février 2020. De quoi permettre au prince George, qui fait déjà preuve d'une forte personnalité, de mieux appréhender son futur rôle à la tête du Commonwealth. Un enseignement tout de même adapté à son jeune âge. George sait que quelque chose de spécial l'attend et qu'il sera un jour, le futur roi d'Angleterre. William lui explique ce que cela signifie d'être un membre de la famille royale. Il le fait de manière très simple car il ne veut pas que son fils se sente submergé.